La commission indépendante d'évaluation et de vérification a remis son rapport au président Jocelyn Privert. Le président de la Sièvre, M. François Benoît, recommande la reprise au moins des élections présidentielles. Selon ses propos, la commission a constaté que le nombre de votes rétractables a dépassé les votes légitimes, créant ainsi toute une panoplie de votes zombies. Le président Jocelyn Privert a remercié les commissaires pour leur travail intègre et impartial. Le chef de l'État a remis le rapport à Léopold Berlanger en lui demandant de tenir compte des recommandations faites par les membres de la commission indépendante d'évaluation et de vérification. Le pays devra, avant 2017, avoir un président élu.
Le bâtiment logeant les firmes de construction et de marketing IT Print and Sign, HPS, a été ravagé par les flammes dimanche soir. Malgré la diligence des sapeurs-pompiers, l'ancienne maison de type Gingerbread n'a pas résisté. Les dégâts sont importants et l'on ignore l'origine du sinistre. Située à l'avenue Lamartinière, au Bois-Vernat, en face de l'Institut français d'Haïti, la bâtisse était la propriété des époux Milfort. Il faut rappeler que Anne-Valérie Timothée Milfort est la présidente du parti haïtien Tête Calée, PHTK. Une séance est prévue ce mardi au Sénat de la République pour élire un président à la tête du Grand Corps afin de faciliter le fonctionnement de cette institution. En effet, le sénateur Andris Richer, qui était invité ce lundi à la rubrique Le Point de Métropole, a déploré le comportement de ses collègues qui, depuis le départ de Jocelyn Privert en tant que président du Sénat, n'ont toujours pas procédé à son remplacement. L'élu de la Grandance menace même de se rebeller si ses collègues ne solutionnent pas ce problème. C'est quand même une honte, parce que la Constitution dit très clairement que c'est le président du Sénat qui est le président de l'Assemblée nationale. Le Sénat actuellement a 22 sénateurs. Alors, pourquoi il refuse d'organiser des élections? Si M. Elarech, qui est actuellement le vice-président, a des appétits, il veut par exemple devenir président, eh bien qu'il essaye de consolider ses troupes, et puis l'organiser l'élection. Maintenant, si il y a quelqu'un d'autre qui veut se porter candidat, mais qu'il le fasse. Mais que le Sénat soit doté de quelqu'un de dynamique pour organiser les séances, faire fonctionner le Sénat. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai rencontré certains sénateurs qui sont tellement frustrés comment le Sénat a fonctionné. Et puis, il me dit, eh bien, OK, voilà ce qu'on va faire. Moi, je donne jusqu'au 1er juin. Et si 1er juin, d'ici là, pas de séance qui fait, pour mettre l'autre bureau dans le Sénat, eh bien, moi, en tant que doyen d'âge, eh bien, je vais assumer mes responsabilités pour la nation et face aux sénateurs. Parce que là, il me dit, OK, je ne suis pas capable, ou bien à ce moment-là, je retourne à la caméra Malchita, puisque il faut qu'il y ait une direction en bas que Mounga travaille là-dedans, des gens ayant la capacité de convocation. L'ancien directeur du bureau de monétisation d'aide au développement, Eustache Saint-Lô, est incarcéré au commissariat de Port-au-Prince depuis vendredi. C'est une information confirmée par la porte-parole du parquet, Maître Mirlande Dupiche-Prévost. Une confrontation est d'ailleurs prévue entre l'ancien ministre des Finances Wilson Lalo et Eustache Saint-Lô.
Maître Dupiche-Prévost a aussi ajouté que le sénateur Youri La Tortue faisait l'objet d'une enquête suite à une plainte déposée par le coordonnateur de l'Union des Normaliens Haïtiens, Josué Mérilien. Le ministère de l'Agriculture et la firme AgriSupply ont signé samedi dernier un protocole d'accord dans le but de relancer la production de citrons en Haïti. Suite à la fermeture des usines de transformation et des maladies, aujourd'hui le pays importe 1800 tonnes de citrons chaque année de République dominicaine. Cet accord permettra donc de redynamiser la filière des huiles essentielles sur le marché international, relancer la production et développer une véritable filière de transformation. Une pépinière centrale ainsi que des annexes dans plusieurs départements seront mis en place avec un objectif de production d'environ 1 million de plantules de citronniers par an. Rappelons que dans les années 80, Haïti fournissait plus de 20% de la demande américaine d'huile essentielle de citron. La Sogecart a organisé vendredi dernier un cocktail à l'occasion de ses 25 ans. Robert Moscoso, le président-directeur général de la Sogebank, a présenté au public la nouvelle carte qui offre un grand nombre de services à la clientèle.